pingle di tunga ni kale ncha kulonje bone kwa chibwa wende mwa bako ina kwato akeba bikale ncha kuya bwa kwepuka pingle da di tunga mtu sin cha kula mari tunga denda ke kutunga di tunga nansha yoyo ke muchikoso oui qui vont faire moi machin là tout le Congo maintenant ma vo lieutenant général tu vois Songesha Christian nous les jeunes en cours pour pas la quoi ben pas les ben toi ce que dit là madame Tata Rachel toi ce que dit le groupe les mecs bossé mon nom sous tout ça ni bigal mako nda ngendo ya milolo chi ko di vision ou bien masolai mashishila ngende adimikala a sanjo bo pour ce cas loi kankokolo mbwase kupala kwa yeya Nkayenda, chef d'état-major général Christian Tshuwewe ni bonso badibikala balombola majinda bamuno mwakwenda ngendu ya mwolochi kumpala kwenda mpani mwakwenda kwa veshe mbili mishala me mwushindu uji mwakukuba mikalu ya jitu wanda Kongo mwushindu kai uji usalai wa jitu wanda Kongo wa mwakwenda lata mwakukubu wala bilu wa jitu bienda mwushindu kai uji usalai ya jitu wanda mwakukala jitengu ibuwa ni kule shampala mwakane wa jitu wanda Kongo wa betu ubankambwa nanku edi chala jungu pinga jila chukolokolo wakumvija bawa itu mwakulu wa falasa mwushindu kai uji diskur peshi mwuki mwushina mene mena mweza munu mwakukolo kudi chef d'état major général du tangila majinda onso munda mwajitunga panyo pa ngendu mshishila ngane mweza munda mwaprovence wa munda mwajitunga edi chala. Merci Rachel Keta pour ces informations Chilouba. L'adresse a été très limpide. Comme un militaire, le lieutenant général Christian Tshuwewe s'est adressé aux différents hommes de troupes à travers leur commandant bien entendu. Les salutations du président de la République en premier à toutes les unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Ensuite, la loyauté, les militaires doivent être loyaux à la République démocratique du Congo, mais aussi à leur commandant suprême. En troisième lieu, il a parlé de la discipline. Dans la discipline, il a abordé plusieurs questions et il a terminé par la logistique. Ils vont être dotés de nouvelles tenues. À présent, après cette fin d'adresse du chef d'état-major général, on va assister au défilé. Lieutenant Dexter Nzuzi, le message du chef d'état-major général rappelle le vécu quotidien des militaires, les difficultés qu'il y a. Il a touché les points. Comme j'ai entendu les militaires autour de nous se réjouir du fait que le général a été très incisif. Il a parlé de la discipline comme il le fallait, mais il a parlé aussi des quelques faits de détournement qu'il a rencontrés ça et là, et il a promis que tous ces militaires, tous ces commandants qui n'ont pas respecté la règle seront déférés devant les cours et tribunaux. Et on a vu qu'il a à plusieurs reprises appelé le général Likulia, qui est l'auditeur des forces armées de la République démocratique, auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est dire que l'impunité dans l'armée n'aura plus de droit de décider. Voilà, l'impunité dans l'armée n'aura plus sa place. C'était beaucoup plus un rappel à l'ordre que le chef d'état-major général venait de faire ici. Parce qu'il a parcouru presque tous les pays. Il est tombé sur certaines réalités qui se passent dans la partie est. Et c'est pour respecter la vision du chef de l'État. Parce que le chef de l'État est déterminé à faire de notre armée des FARDC d'une armée professionnelle. Et les moyens sont mis à disposition de l'armée. Mais le chef d'état-major général était étonné de voir certaines réalités. Et c'est ainsi qu'il a fait ses rappels à l'ordre. Un rappel à l'ordre, aucun militaire sans unité ne sera toléré à Kinshasa. Il a dit que dès que cela est constaté, la DENIAP va se charger d'un individu comme celui-là pour le remettre à l'ordre. Mais aussi sur les questions de discipline, il a abordé la situation des militaires qui se retrouvent en garde chez des particuliers. C'est une situation déplorable pour ceux qui sont dans les mines. Il a encore rappelé que les commandants qui envoient les militaires dans les différents carrés miniers, ils s'en prendront à eux-mêmes. Une mission d'inspection est en route. Elle ira donc vérifier la position de chaque militaire, comment les commandants des différentes unités occupent les militaires qui sont à leur disposition. Il a parlé du respect de l'unicité du commandement. Il n'est pas normal que les militaires à différents niveaux sautent
leurs échelons, sautent leur chef pour parler avec le chef qui leur sont très, très proches, que ce soit des tribus ou des familles. Ça ne doit pas avoir lieu dans l'armée de la République démocratique du Congo. Son adresse a été très intransigeante. La loyauté à la patrie, la loyauté aux institutions de la République, les militaires sont apolitiques. Il a insisté à plusieurs reprises et dans aucun camp militaire, il ne peut être toléré des organisations politiques. Et ça, les commandants des PEM est sensibilisé pour prendre en charge ces genres de comportements dans les différents camps militaires. Nadine Toto, le chef d'état-major général, a fini son adresse. Ya cheleka editchala betumekatuka kuwa mfumu ya makesa ya République démocratique du Congo Christian Tshuwewe yandi vandaka a mingi penza dibaka kandinga samu na kusolola na makesa ya mutu na mutindo ya insi na beto kele awa na kankokolo ya kele mbalanandi ya ntete yandi kuiz mbalanandi ya zole yandi kuiza mingi penza kusolola na basoda yensi na beto kasi na ntua lendi pesaka basoda yonso mbote ya luzolo pe ya kimpangi mekatuka na ya beto mfumu wa insi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya cheleka mfumu ya makesa ya RDC Mbuta Christian Tshuwewe bandaka mingi penza kumonisa bilanti nandi zole yayi baki na sadina na yandi kintuwa di ya kele General Major Jacques Ichali Ngonza General Major Kasonga Leon ya kele visadi baki na tambula nzila mosi mingi penza na mbuta tonto disi ya makesa Christian Tshuwewe kasi yandi monisaka mingi penza ba mambu ya nfunu kele natala mingi penza luzingu ya makesa na insi na beto yandi sabisa kati soda ya mbote yandi lenda ataki lumbu mosi ve tekisa kitini ya ntoto ya bankaka ne jamais trahir le Congo ya kele mingi penza lemvo serma ba lemvaka na meso ya nzami pe na meso ya mafumu bake tekisa ataki lumbu mosi ve kitini ya insi na beto ya cheleka fumu ya makesa bulaka jaka ntonsu na mama metala mingi penza luzitu bakesa baka soda ya ngolo ya mbote na luzitu soda fona vwanda na luzitu mpamba ve kana luzitu ya kele ve mamambu ke vwanda ya mbote ve ya ndiki na telemina ba yuda batubake na tekisa insi na beto ya ndikele mfumu kasi mambu yonso baki na kana kwa kuna insi na beto ba masolo yonso ba lukano yonso baki na baka kwa kuna insi na beto ya kina kwenda na bambeni ya kile diambu mfumu makesa metu ba ve ba ina kila ndakana kusala kiyuda kutekisa insi na beto na bambeni kubaka ba mambu na beto yonso kumulisa na bambeni bake bakama kana batume mwona bau veka sinzambi vangi ya ntoto kena mwona bau mutini musafisilaka benoti ya kele mbala ya zole mfumu ya makesa mbuta Christian Tshuwewe yandi solola diaka kwaku na kanko kolo na basoda ya mutina mutindu yandi siamisaka bau na kutuba diaka ti bafuwa na vwanda na luzitu bafuwa na vwanda mingi penza bantu ya ikina pesa lukumu baza bati soda ya mvua make vwanda kave mutindi ba mendi makusadila insi na beto bafuwa na ndima ba mambu yonso yandi mebenda makutu na ba politisien baya ikina kuiza na ba diskura mutina kutuba ti ba undeba kepesa luzingu ya mbote na ba makesa mbuta krisa metuba ti yandi mezo na diskuru ina ve yandi mezo na ve ti ba tuba kuiza mpuna pusamu na kutubila ba makesa ti bake bakaka difuta ya mbote ve bake fondaka na salari ya mbote ve mambu ina metala ba uve et puis na makesa biba samati bakele ba apolitik bake na ngolo ve kukute mambu wa politik kekele mambu metala ba uve ya chele kambuta Christian Tshuwewe mebula dia kantonsu na mambu metala mingi penza teni ya ba soda mutindu soda fona vwandila soda fona vwandila neti musicien ve endi fona vwanda mingi penza na teni ya luzitu ya lukumu ya chele kaendi bolaka na kutuba dia kati ntama mingi ve ya cheleka basoda bake na
Cheleka bampange lusolo betukina kumona makesa ya insina beto bakena tambula na lolendo yonso yakena pesa lukumu RDC yakele insi angolo RDC loko makasi betukena wonga ya bambeni ve betukena wonga ya bambeni ve mutindu muta Christian tuwe metubila ya ukana baba bakena landakana kusakana na beto betuke baka banzila ya impa sabu na kufuka misa bau wakele ngolo kukuluta beto ve ya cheleka beto kina landa mutindu basoda bakena pesa lukumu lukumu na fumu na bau ya makesa mifuka ya mutina mutindu bakele awa mamekatuka kulongisa bau mutindu bafona vuandila soda fona vuanda muntu aluzitu kana soda kele pene pene yankangu kangu fona sepla pamba ve yandi kele na kina kia kia kutaninama kasi kana soda kangu kina kumona soda ya kina wonga ya kele diambu ya mbote ve ya cheleka mbuta krisa metubati konso 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 soda fona zaba kie kwa nandi andu fona tanina kangu kaka ve kasi kutanina diaka insi na beto bandi na beto oh ya kele kiese mingi na kumona mutindu makese na beto baki na tambula na kiese yonso ya kena pesa kiese na mintima mingi penze ya nkango RDC ya cheleka mielo ya makese RDC ya kele ya kusibuka ya kena kuyamba bantu yonso kena luzolo bakote na kisalu ya kisoda samu na kunwani na insi na beto ya cheleka banda babanda kakuku kuyamba basoda ya toba na bana emezu na kote na kisoda mais nous faisons des choses qui tournent à Bakele, à Kamina Bakele, à Moura Bakele, à Mingi, à Kota, à Mingi Penzana, à la Soda, à la Soda, à la Soda, mpangi ya luzolo mwe pesa ndinga na mpangi na mbunu lietina ya nizabisa beto wa mambu wa kaka lietina kapiteni mwanza kapiteni mwanza ya nizabisa beto wa mambu wa kaka ya imetela mingi penza wa mambu wa basoda tupe nizabisa beto ya keleka wa mutili nge metu bila ya mpangi na mbunu beto me katuwa hina ya mshemu de etat major general lietina general sunge sa Christian bubu ya yake wa mpangi ya trouble de transmission bantuna ke sala ke sala boss be ont boss ti beto me ya beto ko mwangi sa bantsangu ya ba o kele ko tinda bantsangu na nzila ya bansinga ke bobo ke la ka ba o trouve de transmission ok ba o ina ke luta na ntwala samu na ko ki sala na ba o kele ka ka ko mwangi sa bantsangu ve beto kele dia ka le ki sala pe ko sala ba demonstration ya rei ya o kele dia ka bon tu reklema na nima na ba o ya kele ba mpanga sekase ya ke luta na ntwala ya o kele sekase kuna beto memo na c'est quand il y a de la mamba sociale. Bah, mamba sociale, mamba robaka ba serkei, ba betke ba kaka na bao. Ok. Na ma vie vive bao ka met, mon metali la sociale. Ma vie m'dikele na batu akoro ya santé. Voilà, batu akoro ya santé, bao ya ike luta, boubou ya ina. Toi là, ya... Ya wafumu, samu na komolisa, kisalo bao ke sala, kisalo bao kele kaka ya kuhu, ya kupese bilongo ve, bao kele diaka kusala, pia kusala, demonstrasyo ya rei, Pamba ve ya ke vanai ki salu ya beti dresu mama ke tampangi nabu. Le défilé a commencé donc sur les services sociaux qui passent, les services militaires mais chargés du social, plusieurs secteurs dans leurs services, la santé, les funérailles, tout ça, ce sont toutes ces choses de faire. C'est un corps très organisé, vous comprenez donc que les militaires dans chaque secteur, il y a des équipes spécialisé. Vous avez vu passer avant d'abord le chargé de la transmission.
et ceux qui sont chargés de la communication, comme nous le faisons maintenant, c'est cette unité qui est en train de défiler, le lieutenant Dexter. Oui, là c'est le service de communication et d'information des forces armées qui est dirigé par le général-major Kengé Bobusa Ifonisibé. Et c'est cette unité qui est passée à pour mission, vous savez, de communiquer pour les comptes des FARDC, de couvrir les activités qui se déroulent dans les camps militaires. Voilà, c'est le service des communications et d'information des forces armées de la République démocratique du Congo qui est en train de dépasser l'unité qui suit l'éducation physique, le corps logistique. C'est le corps logistique qui est en train de défiler devant le chef d'état-major général après sa soirée morale. Nous avons fait place pour défiler les troupes. Les groupements des écoles militaires qui est en train de passer maintenant, c'est l'unité qui gère toutes les écoles militaires dans le pays, donc qui est dirigée par. Voilà, et ça c'est le bloc des personnels militaires féminins, je crois. Le bloc des personnels militaires féminins, comme on les appelle, le PMF, et qui va bien évidemment suivre les groupements des écoles militaires spécifiques. Le bloc des personnels militaires féminins, comme on les appelle, les femmes qui sont au service des forces armées de la République démocratique du Congo, et ça suivra les corps logistiques, vous savez, cette unité. Le corps logistique, c'est une unité qui gère tout ce qui est logistique, les armements. Là, les chefs d'état-major général viennent parler de la tenue militaire avec le capitaine Munyanga qui est en train de conduire les troupes, le corps logistique qui est là devant nous. Et le corps logistique qui est dirigé par une femme et qui est le général-major Cheshi Maïu Justine, et voilà, c'est le bloc du corps logistique qui est en train de défiler. Et c'est la 14e région militaire. Et maintenant, c'est place à la 14e région militaire qui est dirigée par le général major Stazin Mbuyu et qui est en même temps commandant place de la ville province de Kinshasa, commandant des FARDC dans la ville province de Kinshasa. Et voilà ces hommes. Sa troupe qui est en train de défiler la 14e région militaire devant les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo au terme de sa causerie morale. Et voilà les bataillons, des prévôtés militaires. L'étendard qui arrive, donc les crapauds. Et vous allez remarquer avec moi que tout le monde, capitaine Kambale qui conduit l'étendard, qui est les crapauds. Tout le monde doit se lever pour saluer les drapeaux. Donc, c'est le tour de l'étendard qui est en train de devant les chefs d'état-major général. Symbolise les drapeaux, l'étendard qui implique tout un respect. Tout le monde doit saluer les passages de l'étendard devant la tribune. Après cette causerie morale du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, et devant nous, c'est le bloc du corps de santé militaire qui est dirigé par le général-major Singa. Le corps de santé, cette unité que vous savez, qui s'occupe de la santé, qui s'occupe des soins médicaux des militaires, de l'air dépendant, et de tout, et s'en suivra les quartiers généraux de la force terrestre. Vous voyez devant, c'est une femme qui est commandant du quartier général de la force terrestre. Il s'agit
du colonel Nenette Mukenge, qui est l'une des rares femmes à prendre les commandements et de diriger le quartier général de la force terrestre. Voilà, c'est le quartier général de la force terrestre qui est en train de défiler devant le chef d'état-major général, devant l'autorité. Et c'est après la force, la force terrestre, bien la première zone de défense. Merci Mama Pipi, yebate le lopenza tango batuba salaka likambo sima na weza rapport neti na biso basoda ezalaka nde defile ndenge ozomona wana ntango bazotambola ezali bongo kolakisa te nzoto eza kolongo nu bongo tozomona na bilili kuna bandeko na biso babundaka likolo na bapepo bango wana baebenga bakorbo bango wana baza wana bazoleka baforce aérienne bango wana ezolakisa te mapinga na biso oya likolo tozwi yo obatumatanga na mabele tokangi yo okei na mai tozwi yo makasi ba république démocratique ya congo ezali se na nzete ete likolo eza mpe likolo sika bandeko ya mai bango wana mama mpibi ozomona wana bandugu bangando bakati na nzela mai okunda te wana bakoyamba yo mpenza na ndenge ekoki mpe bakobuka yo kingo bango wana bazoleka ezolakisa te oye na ebale molato kitoko kitoko ezolakisa ebale parceke baoyo ya evien ezalaki kolakisa na fata mpo oyo ya mai ezolakisa le ya mai bango wana bazoleka bote biso bongo na biso etinami na mai mobimba te omona bazoleka wana kolakisa te oye na mai bango baza na yo mpe bakobakela ofuti mpe bakobaka o mondongo ndenge bazoleka wana omoni ke force des armées ya république démocratique ya congo ezali na barepresentation ya baunité nyonso nde ozomona ndenge bazoleka wana omoni mpe na nsima na bango ezali bongo na bapemer oyebi te na mosala soda bana basi lokola bino mpe babi mpesi mpona kosalela ekolo bango nde baza nsima ya force navale bana basi bamama batikali nsima te nayebisa yo moali bongo nazali mwana soda soda kasi mama nde azali soda mama lokola asalelaki soda tala bandeko baye bango wana baza koleka bamama balobi biso tozongi nsima te okokende na bapilote okokuta basoda ya basi okokende na minganga okokuta basoda ya basi okokende na transmission na communication lokola okokuta bango bazali bango wana bazolakisa te biso mpe tozongi nsima te tokosopa makila na biso mpona ekolo eya na moi eya na butu biso mpe bamama tokozala wana mpona koprotege population na biloko na bango mama azali bisika biso ezala na biso bapanisango ezala na mapinga basoda ezala na bapusu ezala na badepite ezala bisika biso okokuta mama ya république démocratique ya congo atelemi nde ezali bongo ndenge tolobaka ke otumboli wati otumboli bamama tala ezolakisa te bokasi ezali na kati ya bamama tala sika wana ezali bongo mama bakomando oyo oyokaka te soki natiaka motema na ngai na bakomando komando azali moto oyo esika mayele ya baefantri esuki komando ayaka kosilisa mayele ya monguna bango wana baza koleka olingi koloba te force d'intervention rapide likambo ebimi na moi to na butu bakomando bakoya mpona kobetakasi komando akosala demonstration moko yo tozo kokamwa ezali bongo mama pipi komando akosala demonstration esika soda mosusu alembi kasi ye komando akosala bademonstration koleka kote ye nde azali suka ya makasi ya basoda olingi koloba komando azali soda koyaka mpo bapoma na bitumba te akoyaka na ntango bamosusu balembi nde omoni komando oyo omoni baderero bererugi wana ezolakisa te bakade républicaine bango bakokengelaka mokonzi ya mboka libotala ye na bandako ya mokonzi bipai nyonso mokonzi ya mboka zali nde okuta garde républicaine bazali wana bererugi elakisi mpe makila na ye mpona ekolo wala ye mpe azali wana kosopa makila na ye mpona ekolo kote bango mpe bazongi nsima te rugi ezolakisa makila bango bakobatela mokonzi soki likambo libimi bango bakoboma moto mpe bakozimisa moto mpona kosalisa te kibenda makasi ezali force des armées ya république démocratique ya congo bango nde namoni lokola
Merci beaucoup, vous avez suivi en direct les différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo avec les explications des représentants des forces armées que nous avons ici avec nous. Ils sont de la, du service de communication et de l'information des forces armées de la République démocratique du Congo, dont le lieutenant Dexter Nzuzi qui nous a tenu compagnie ici pour nous donner des informations. Pesa Kalongola, en Swahili, les téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise sont en train de voir c'est terminé ce défilé organisé après l'adresse du chef d'état-major général, le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha. Merci beaucoup, Edith Chala. Nous sommes à Kupata, Otuba, ya chef de l'état-major général, lieutenant général Chiwewe Christian. Aliweza hivi kusemea kuhusu kazi kwanza alianzia kwa kuonesha makamu wake wawili ambaye ametumika nao kazi kisha akaweza kusemea kuhusu kazi ya askari jeshi aliweza kufasiria askari jeshi ni nani kazi gani askari jeshi anapaswa kufanya kazi ya askari jeshi ni kulinda raia na vitu vyake sio askari jeshi sio hapo kwa kuweza kudhulumu raia akasemea pili kuhusu disiplini. Disiplini yeye aliweza kusemea mambo mbalimbali, mambo mengi alisemea katika disiplini yeye naomba namna gani askari jeshi anapasha kuwa katika kazi hiyo, namna anapasha kuvaa, namna anapasha kusimama, namna anapasha kutembea na nani yeye anapasha kabisa kuweza kumulinda ndio lieutenant jemadari Christian Chiwewe aliweza kufuatilia mazungumzo yake hapa kampi Kokolo na waskari jeshi wa unité mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kisha utuba wake yeye tunatoka kufuata maandamano hiyo yaliweza kufanyizwa katika utuba mbalimbali ya unité mbalimbali yenye kupitika na hapa kampi Kokolo ndio tunaweza kuhakikisha kusema ya kusema tena kwamba alisema inaomba kujeni kuangalia logistike ama mahali ya kulindia vifaa vya askari jeshi inaomba kubadilisha mavazi wanao inaomba kuyabadilisha wapate mavazi nyipya na ndio aliweza pia kusemea ya kusema kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza hivi kusalimu askari jeshi wote wenye kupatikana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio aliweza kufasiria vile vile kusemea kama askari jeshi anaenda umbali mbali na namna kanuni na alomba ya kijeshi ataweza kufungwa ndio askari jeshi anao kazi ya kuweza kulinda raia na vitu vyake sio hapo kwa kuweza kudhulumu raia na napasha kuheshimu kabisa kanuni yote ya kijeshi namna inaomba kwa sababu askari jeshi aweze kuwa tajiri aweze kuwa mwizi wa kuweza kutumikia mali fulani fulani ya kuweza aweze kutumika mahali wanachimba madini aweze kulinda mawaziri na wakuu wengine askari jeshi kwa hapo tu kwa kuweza kufanya ulinzi ya waziri wa ukingo na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni wao wawili ambao wanapata kulindwa na waskari jeshi. Pale maandamano yameendelea ya katika unité mbalimbali wenye kupita mbele ya lieutenant jemadari Chiwewe Christian wanafanya maandamano hiyo ya kijeshi hapa kukampi Kokolo na tunaona kabisa iko furaha wa askari jeshi wanafurahi ya kusema kwamba kutokana tu na hotuba ya lieutenant jemadari ambaye anaweza kusema kama wanafika mwisho inaomba sasa watende inaomba sasa kutenda yao inapasha kutendeka kutokana na mashambulizi ama kutokana na nchi yetu yenye kuangamiza na vita ya kutokea kwa Rwanda pia na kunjia wa M23
ndio yanasema nafika mwisho. Inaomba sasa askari jeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wachukue mipango fulani fulani kwa kuweza kumaliza vita hiyo kwa jinsi ya amani ya kuweza kurudi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio tuko na kapitene kapitene Paluku Abel, yeye naye tuko naye hapa, aliweza kupata namna gani Lefna Jemadari Chiwewe Kisia aliweza kusema katika hotuba wake. Unaweza kufasiria watu wote wenye kutupata katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa mjini Kinshasa, wao majimboni, nini yenye kupitikana hapa kukampi Kokolo? Hiyo baada ya kusikiliza maongezi ya hamasa ya Lieutenant General Kisia Chiwewe Songeza, hapo sasa tumeweza kufuata namna gani vikosi vyote vinavyowakilisha jeshi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimepita kwa gwaride, vimepita lazima kwa kupiga miguu chini, na hiyo ni kuonyesha gisi tuna juhudi sana. Tumeona vijeshi vikosi vya jeshi vile vya kutoka kwa makomando viko hapa vinawakilisha vikosi vya makomando, vikosi vya kuwakilisha jeshi letu la Jamhuri ya Kidemokrasia la Kongo, hadi tuna vikosi vya ulinzi wa rais ama GR, nao wamepita kwa kupiga miguu kabisa. Jeshi la maji ambalo linatusaidia kwa kuweka ulinzi kwenye jito letu la Kongo na bahari na hata kadhalika, na jeshi letu la anga ambalo tunaita force aérienne, nalo limepita kabisa kwa kupiga miguu kabisa. Ni jeshi ambalo linatusaidia kwa kuunga mkono.
Et vous, au centre, portez armée. Chef d'état-major général. Major général des forces armées de la République démocratique du Congo. En général, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Virez à vos ordres. Armand, viens. Voilà donc qui s'est terminé dans l'ordre. Ces derniers honneurs au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo qui s'est adressé il y a quelques minutes aux hommes des troupes, à toutes les unités et aux forces spécialisées des forces armées de la République démocratique du Congo. Son message a été très clair. Il a commencé par rappeler aux uns aux autres leur mission, mais en premier, ce sont les félicitations du président de la République, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, qu'il a apporté à ces hommes des troupes. Ensuite, il leur a rappelé leur mission, celle de protéger les territoires nationaux, les institutions du pays. Il leur a rappelé la loyauté qu'ils doivent aux institutions et à la République. Il a insisté sur le fait que les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo devraient se dévouer complètement pour la République. Il n'est pas normal qu'on décèle au sein des forces armées de la République démocratique du Congo des éléments subversifs, des éléments dont le comportement favorise l'ennemi, ou carrément on quitte l'armée, on ne peut pas prêter serment, travailler sous les drapeaux et continuer à travailler pour l'ennemi. Ça ne sera plus possible, ça ne sera plus toléré. Les forces armées se sont dotées des moyens de dénicher ce genre de personnes subversives. Mais il y a aussi la sentence divine pour ceux qui auront cru que l'homme ne le verra pas. En tout cas, les dieux, le Tout-Puissant, en tout cas c'est ce qu'a dit le général, les verra et ils seront punis, eux et leur famille. Il faudra donc que ces hommes de troupes se dévouent complètement pour la République, ça il l'a dit, mais il a aussi rappelé que sur le plan logistique, tout est en train d'être mis en œuvre pour que la tenue militaire soit changée. Il va prendre langue avec le commandant suprême et sous peu il reviendra pour doter les forces armées de la République démocratique du Congo de la nouvelle tenue. En tout cas, amis téléspectateurs de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC, nous avons été très contents de vous retransmettre en direct cette cérémonie de causerie morale avec le chef d'état-major général qui parlait à toutes les forces des forces armées de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur les antennes de la RTNC. Culturelle. Notre Congo, toujours liboqué. Bomoko. Kinoa le Kolangai, et puis malamou et si qu'on est à la qui.